bien, salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, installez-vous confortablement, on est parti pour un nouvel épisode sur Alien Isolation, évidemment. Et on est toujours à bord du Sébastopol. Let's go, on reprend exactement là où nous en étions. Petit récap tout de même, il faut objectif obtenir un accès direct au noyau d'Apollo. C'est là où tout a commencé en termes de partir en vrille. Et Samuels a fait en sorte que vous puissiez consulter Apollo, mais l'accès à son noyau doit être obtenu au centre même de son unité centrale. Et pour l'instant, on n'a pas croisé de l'alien. Voilà, il est toujours pas revenu. Ricardo, l'entrée principale est verrouillée. Je fais quoi maintenant? Je t'entends pas, Rip. Ton signal est trop faible. Ricardo? Si tu peux m'entendre, trouve un autre moyen de me contacter. Il y a un truc qui cloche avec mon oreillette. Trouver la salle du centre d'Apollo pour les humains. Ok. Alors attendez. Ok. Apollo, fait appel à votre patience pendant l'alerte. Céline, un truc de dingue vient d'arriver. Sébastopol n'est plus sur le marché. On est un acheteur. On boucle tout dans quelques semaines. Et eux, ils changent d'avis. Après toutes ces présentations et visites à n'en plus finir, finalement, les pourparlers n'étaient pas tant que ça au point mort. Un gars du QG de la compagnie n'a eu qu'à claquer des doigts. Un message de confirmation vient d'arriver, et Apollo reçoit en ce moment un paquet de nouvelles règles d'opération. Je suppose donc que l'affaire est conclue. Inutile d'informer qui que ce soit jusqu'à ce que l'annonce soit faite aux actionnaires. C'est du niveau administratif. Ça envoie du rêve, hein? Putain, mais attends, je comprends pas, là. Masque à gaz ramassé. D'accord. Ok. Est-ce que je dois l'équiper? Bah... alors, c'est pas méchant, mais alors là, j'ai sincèrement pas compris le projet. Ah, peut-être pour la cohérence, c'est ça? D'accord, ok. Ok, ok. Parce que j'allais dire, autant ne pas faire de zone de gaz. Tu vois, que prendre un masque à gaz qui a 2 mètres du bordel. Vous n'avez pas pensé être ici? J'ai entendu. Vous faites preuve d'un... Ok. Ah. On va éviter. Venez ici. Oh, quelle galère. Ok. Bon, ça va. Ça va. J'ai
Ok, là, il y a un bail. En fait, ça me fait chier d'utiliser mes balles. Ça va, le son du jeu, il est assez fort ? Système de sécurité de l'hémisphère gauche, activation réussie. Système de sécurité de l'hémisphère droit, activation réussie. Oh là là. Quelle angoisse. Il a disparu. Ok. Wesh. Étrange. C'est une blague ou quoi ? Vas-y, c'est pas grave, hein. Oh putain. Bah ouais. Bon, si je les alimente, l'un d'eux devrait me donner accès au système de sécurité d'Apollo. Pardon ? C'est le temps de comprendre là. Oh putain, fils de pute. Ah, ça me met des flugis, ça. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Wesh !
Oh là là. Aïe. Bah, arrête, il me dit calmez-vous, il met des patates. Oh là là. Oh là là. Oh, oh là là. Oh non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, nique ta mère. C'est trop long! Rire. Ok. J'ai pris des flugies en boucle, mon ref. Y'a quoi là de l'autre côté? Ah. Ok. Réduire les capacités de sécurité d'Apollo. D'accord. Attendez, on va save déjà. Allez. Ok. Je suppose qu'ils peuvent... D'accord, ok. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle un peu ultime. Hein. Ok. Bah, la logique voudrait qu'on aille dans l'autre tuyau, peut-être. Ah, d'accord. Ça mène à l'autre où on n'avait pas le masque à gaz aussi. Très bien. Non mais les gars, quand j'ai... Quoi ? Ah ça putain, ça j'ai jamais compris. Ah oui, d'accord. C'est quoi ça ? Il y avait un truc genre écrit, utilisé. On reconnaît toujours un lambda. Putain, c'est pas vrai. Ok. D'accord. Si j'ai bien compris, il faut que je re-retourne dans le noyau d'Apollo. Hein.
là, mon ref. J'avoue, je bloque là. Attends. Tout ça, ça a été fait. Ok. En fait, faut désactiver la sécurité parce que le noyau a encore une sécurité trop forte. Regarde. Ah non, là c'est bon. C'est bon parce que je l'ai désactivé tout à l'heure dans le tuyau. Allez, go, let's go. Non, non, non. En fait, si tu veux, le noyau avait une sécurité trop puissante. Voilà. Et là, je vais pouvoir consulter Apollo. C'est horrible ce bruit. Par contre, c'est tellement bien fait. Donc là, on a relancé Apollo, qui est le noyau de Sébastopol. Sugoi ! Il est pas sur cette foutue station. Quoi ? Merde ! Bon ! En gros, pour la faire courte, l'objectif depuis le départ, c'était garder la Lienne dans Sébastopol et mettre tout Sébastopol en quarantaine. Donc il s'est foutu de la gueule du monde, quitter Apollo en dessous de son cœur. Donc il s'est foutu de la gueule du monde. Par contre, ce que je kiffe de ouf, c'est un peu la direction artistique de vieil ordinateur, style Minitel, mais dans du futur en fait, tu vois, parce qu'ils ont fait Sébastopol il y a des années et des années. Ok. Okay, on va save. Et ben voilà. Wayland Yutani pour des mondes meilleurs. Ok. C'est quoi ce délire? Parce que là, je suis au cœur donc de Apollo et il y a un ascenseur qui descend. Très bien. Très très bien. Rapport d'interaction avec Apollo. Bah ça, on va le lire parce que ça a l'air intéressant. Requête pour communication inter-entreprise reçue. Message à destination des représentants. Ok. Rapport. Très bien. Ah, c'est bon. Ah, en fait, tous les jours, il y a eu des rapports. Protéger le spécimen, maintenir la station en quarantaine, interdire les communications. Et donc, quasi un mois après, il y a l'historique d'arrivée de notre arrivée. Donc, Ripley, Taylor, Samuels. Alerte confinement du danger. Menace viable à l'encontre du spécimen. Ok. Étant donné le rachat de Wayland, il est d'une importance capitale que la restitution de la boîte noire se fasse en douceur.
Les gars sont sûrement des employés peu importants qui n'auront sûrement aucune idée de ce rachat. Mais s'ils ont vent des rumeurs sur les gens qui disparaissent, j'ai pas envie de faire de vagues et vous non plus. Essayez simplement de vous le faire le plus discret. Très bien. Ok, il n'y a que ça. Et je vais jamais récupérer mes guns là, je me sens pas à l'abri moi. Direction le noyau. Bon! Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Je m'arrête. Désolé Ricardo, mais je compte pour du beurre. Samuel, c'est Taylor, moi, on n'est que du vent. Je suppose que si on valait quelque chose, Apollo aurait un peu moins envie de nous tuer. Enquêter dans le réacteur central. Ok. Il y a déjà les embouts là. Il y a déjà les embouts. Voilà. Wesh. Regardez, on les voit. Ok. Chief, il se passe quelque chose d'étrange. Les synthétiques perdent la boule. Alors j'ai trouvé des gars pour me filer un coup de main. J'en ai envoyé un à la salle de fabrication, mais il n'est jamais ressorti. Toutes les portes sont verrouillées et c'est certain qu'il ne pourrait pas passer dans un conduit d'aération sans galérer. On sait pas trop quoi faire. Ça paraît un peu injuste de continuer le travail sans s'arrêter pour le retrouver, mais on sait pas où chercher. Notre service est bientôt fini. Je vais rapporter l'incident à Wade et au Marshall. Ok. Bon. Ah oui, c'est vrai que c'est trop fun. Les gars, je récupère pas mes armes, c'est chaud, hein. D'accord, c'était juste pour passer, putain de merde. Tout ce suspense pour ça. Ok. Bon, on est toujours sur les synthétiques en méchant. Veuillez quitter la zone. Accès réservé aux ingénieurs uniquement. Je suis encore toujours étonné de la qualité du jeu. Elle est folle. Oh les fils de pute. Allez chef. Vas-y, c'est trop, frère. Comment ça se fait qu'ils sont énervés comme ça ? Violation de la sécurité qui ne sera en aucun cas tolérée.
Putain de merde. C'est quoi ça, frère? Là, je commence à avoir la gueule pâteuse de ouf. Oh non, Soudeur Unique. Trouver une mise à jour. Oh, les gars. C'est bâtard, ça. Oh là là. Là peut-être, non. Là peut-être, non. Ah, c'est bien là où il y a les boîtes, hein. Quelle histoire, putain, quelle vie. C'est là-haut. Ok. Même l'effet des caméras, il est incroyable, je trouve. Hein. Regardez là. Franchement, 2014 les potes, hein. Incroyable, GG à eux. Je suis sincèrement étonné de ce jeu à chaque fois que j'y joue. Et pourtant je déteste les jeux à streamer, mais celui-là il m'inspire franchement, gros GG. La qualité du titre est indéniable. Et je pense sincèrement que dans 5-10 ans, il sera toujours autant jouable. Vraiment. Ah, insane. Les ok. Les Attends, quoi? Attends, j'ai trouvé quoi là? Que j'ai trouvé un revolver. Eh, j'ai niqué deux bombes UM, putain de merde. Mais ouais, même encore aujourd'hui, hein.
Oh les bâtards. Ça pour ça. Comprendre pas mon voyage. Il est juste là, hein. C'est pas bon. Oh, il y a un autre truc à appuyer là-haut. Apollo et Nova travaillent en main dans la main pour assurer la sécurité et la connexion optimale de Sébastopol. Oh, c'est pas vrai. N'hésitez pas à me demander des renseignements sur les protocoles de sécurité fixants. Il est là, le dernier générateur. Oh, c'est pas vrai. Bon. Quelque chose ne va pas. Je suis un connard. Il vient me tabasser la gueule. Venez ici, s'il vous plaît. Fuck! Allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour l'épisode 19, tout simplement. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve directement ici pour l'épisode 20. A tout de suite, YouTube.